président de l'Organisation des chercheurs et tradipraticiens du Gabon félicite et encourage le gouvernement pour toutes les mesures barrières prises pour éviter les risques de propagation du COVID-19 dans d'autres pays. Ce dernier appelle au respect scrupuleux des dites mesures. Nous l'écoutons. Il est au micro d'Annie Kankassa. C'est l'occasion pour nous, maîtres spirituels gabonais, membres de l'Organisation des chercheurs et tradipraticiens du Gabon, OCTG, de féliciter et encourager le gouvernement pour toutes les mesures batteries prises à cet effet, lesquelles vont jusqu'à la fermeture des commerces, des églises, mosquées et autres lieux de culte, créant ainsi de nouveaux comportements chez tous ceux qui vivent en terre gabonaise. Mais en dépit de toutes ces démarches précautionneuses, nous, maîtres spirituels gabonais, rappelons à toutes les populations vivant au Gabon que tout ce qui nous arrive sur le plan physique prend sa source dans le plan spirituel, parfaitement contrôlé par l'Éternel Dieu, qui donne force à tous les génies bienfaiteurs de la forêt, de l'eau, de l'air et du feu. Invitons les herboristes, les responsables des temples Umbanja, sur toute l'étendue du territoire national et autres établissements de soins traditionnels, au respect scrupuleux des mesures gouvernementales, à plus de discipline et à tout mettre en œuvre en s'appuyant sur les révélations pour stopper net la propagation du coronavirus.